derrière la fume. Rom, rom pom pom pom. 50 nuances de haine, 50 nuances ta mère la pute. Wesh équipe, comment allez-vous? Personnellement les gars, ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour toute une nouvelle vidéo. Cette fois les gars, on va parler de PNL. Et pour cette vidéo les gars, je serai pas tout seul, je serai en compagnie de Monsieur Port. Comment tu vas? Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Pour en parler, ça va tranquille et toi? Pour en parler les gars, ça va nickel. Bon les gars, il y a des choses assez terribles sur PNL. Plein de gens parlent sur PNL. PNL c'est bien et tout, mais il y a des autres gens qui parlent sur PNL qui disent plein de trucs qui sert strictement à rien, qui crache plein de trucs sur eux, qui sert à rien. Je pense que t'as dû entendre parler, Monsieur Poir. Oui, j'ai entendu parler énormément. Donc, comment dire, nous, on est très fan de PNL, on écoute presque toujours du PNL. Et qu'on voit ça, ça nous ça énerve assez quand même beaucoup. Comme dire, il y a des gens qui parlent beaucoup de trucs sur PNL sans savoir vraiment leur vie. Par exemple, ils disent qu'ils parlent de Satan, tous ces trucs, genre, alors que c'est normal qu'ils parlent de ça. Comme dire, ils ont une vie assez difficile, ils ont fait plein de choses qui méritent aller au diable, enfin en enfer plutôt, si vous préférez, qu'au paradis. Et eux, ils le disent en plein musique, quoi. Et eux, ils ont quand même dit qu'ils donnent un peu d'informations dans les musiques. Et là, ils font bien ça. Ils parlent plein de trucs de chétan dans les musiques. Ils donnent des informations parce qu'ils sont quand même fait assez de trucs pas bien à l'époque. Je pense qu'il faut toujours un peu, mais moi non, ils font moins ou moins qu'est-ce qu'ils ont fait à l'époque, quand ils étaient très jeunes, vu que leur père c'était un braqueur et leur mère jamais pu connaître. Ils savent pas qui c'est leur mère, je pense qu'ils savent comment elle s'appelle et tout, mais je pense que, comme dire, ils l'ont jamais vu, vu qu'ils sont nés et sa mère sont partis même avant qu'ils soient nés. Donc voilà. Donc est-ce que t'as truc à dire, Monsieur Poir? Non, mais si ce n'est qu'avant de parler, bah, il faut s'informer. Hein. Parce que ça semble de parler, mais de pas connaître la vie. Je trouve ça un peu dommage, mais bon, voilà. Ouais, comme il y a plein de gens qui font ce genre de vidéos en insultant PNL sans savoir vraiment leur vie, quoi. Ils savent rien du tout. Ils font juste ça pour avoir des buzz, encore des putaclics et tout. Comme dire, ça sert à rien. Moi, si je fais cette vidéo, c'est juste pour vous informer pourquoi ils perdent ça et nous d'autres. Parce que je sais très bien qu'il y a des gens qui vont commencer à critiquer PNL sans rien savoir. Donc, comme dire, pour nous, ça nous saoule. Je pense que certains, vous aussi, ça vous saoule. Certains fans de PNL, ça vous saoule. Peut-être même pas fans de PNL, mais qui coûte voilà par-ci par-là un peu de leur clip, et je pense peut-être pour vous aussi ça vous saoule. Mais bah, après ça, qui font exprès de dire que c'est vrai, genre ils crachent beaucoup de trucs sur eux, ils disent que voilà, ça fait exprès et tout, ils sont c'est trop dans le jab et tout. Wesh poto, parle pas si c'est pas leur vie, leur vraie vie quoi. Essaie de t'informer dessus. Va sur Wikipédia, t'as tous leurs infos. T'as plein d'histoires de leur vie, ce qui s'est passé avant qu'ils commencent le rap. Mais pendant qu'ils commencent le rap, il y avait beaucoup de trucs. Quand NF a commencé le rap, son frère, il a fait des choses assez mal. En vendant de la cocaïne et tout. Du coup, c'est fait boum, direction Tool. Donc voilà, les gars, si on fait cette vidéo, c'est juste pour vous informer. Donc, les gars, moi, j'ai plus rien à dire. Est-ce que toi, t'as un truc à dire, Monsieur Poir? Bah non. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi par rapport, ça m'a plu, toi. Ouais, bah c'est cool de pouvoir s'exprimer, mais bon après, il y aura toujours des rageux qui vont pas comprendre la vidéo, mais c'est dommage. Ouais, voilà. Je vais Rien y vous faire. expliquer. Voilà. Donc les gars, je vous mettrai sa chaîne en bas en point de barre d'infos. Désolé les gars, c'est bugué, mais c'est la vie, hein. Vous me connaissez depuis le début, je commence un peu à bugger, mais c'est normal. Bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà. Donc, n'oubliez pas d'attacher un petit pouce bleu. Je t'amène, c'est pas qu'on fait. Abonne-toi à la chaîne de Monsieur Poir. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao les gens. Je vois tous les genoux dans l'endroit. Sur terre, en enfer.